Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tellement de choses hein, dans le Bhagavatam, très vaste. On va lire un verset des prières de Shukadev Goswami au Seigneur. Quel verset? C'est un verset que Prabhupada aime beaucoup. Verset 18, page 95. C'est un verset qui nous concerne beaucoup aussi. Kirata Unandra Pulinda Pulkasha. Kirata Unandra Pulinda Pulkasha. Abira Shumbaya Vanaka Sadhaya. Abira Shumbaya Vanaka Sadhaya. Yenyecha Papayat Apashaya Shraya. Yenyecha Papayat Apashaya Shraya. Sudyanti Tasmai Prabha Vishnave Namaha. Papaya da Pasha, a Pasha.
Shraya Shraya Vinyasha Papaya Tapashraya Shraya Pujo Pitas Mai Prabha Vishna Vena Ok. Vous êtes satisfait? Traduction. Éternel Vorté. J'offre mes respectueux. Mes respects. Pardon. J'offre mes respects au Seigneur, au pouvoir inconcevable. Prabhu Vishnu. Prabhu Vishnu. J'offre mes respects au Seigneur au pouvoir inconcevable, les Kirata, tribu aborigène de l'Inde, les Huna, les Andhra, les Pulinda, les Pulkesha, les Abhira, les Shumba, les Yavana, les Kasha et les autres races de basse naissance, ainsi que ceux qui commettent des actions impies, deviennent purifiés des réactions de leurs actes passés, en prenant refuge dans des dévots qui ont pris refuge dans le Seigneur Tout-Puissant. Commentaire. Selon Srila Vijayanatha Chakravarti Thakur, les êtres des tribus mentionnés dans ce verset sont pécheurs par naissance, à cause de leurs activités passées impies. D'autres le deviennent par leurs actes impies présents, c'est-à-dire dans cette vie. Mais peu importe. S'ils ont un contact avec la pure dévotion à travers les dévots du Seigneur, alors ils obtiendront le succès et deviendront purifiés. Pour devenir purifiés, ils doivent accepter des purs dévots comme leur maître spirituel et recevoir d'eux des instructions pour accomplir le service de dévotion réglé. Ceci indique que la voie de la dévotion détruit les réactions des actes impies qui engendrent des désirs qui peuvent être manifestés ou à l'état latent. Un dévot peut donc être complètement purifié. C'est la raison pour laquelle il est interdit de l'identifier selon sa naissance et ses activités passées. Il est dit dans le Padma Purana, Arche Vishnu Shilavali Gurushu Naramati Vishnave Jatibuddhi. C'est un verset que Prabhupada citait très souvent. Arche, c'est la forme Archa de Krishna dans le temple, la Murti. Vache Vishnu Shiladi Gurushu Naravati Vishnave Jati Buddhi. C'est une offense de voir la forme de la déité comme une pierre, de voir le maître spirituel comme un homme ordinaire, et de juger les Vaishnavas selon leur naissance. Le verset continue en disant, c'est une offense de voir l'eau qui lave les pieds à Vaishnava comme de l'eau ordinaire, et de voir les restes de la nourriture du Seigneur suprême comme une nourriture ordinaire. Bien qu'une personne puisse avoir eu une basse naissance, la dévotion doit lui être enseignée. Il sera dit dans le Shrimad Bhagavatam 11.5.4 « Duri harikata kachi, duri chachuta kirtanaha, striya shudra daya striya, tenu kampya bhavi, Bhava Drisham. Mais le Seigneur n'a écarté personne de son gain spirituel, puisque même les hommes de basse classe et les femmes qui restent éloignées des récits de ses gloires peuvent obtenir la miséricorde des dévots authentiques, tels que toi, et atteindre le plus haut but de la vie. Qui est le toi en question dans ce verset? 5, 4, 11e chant. Ça peut être Narada Muni. Ou ça peut être... Ça doit être Narada Muni. À cause d'activités impies, certains prennent naissance dans des familles qui ont peu de conscience spirituelle. On a expérimenté ça. Prendre naissance dans une famille qui a peu de conscience spirituelle. Ceux-là sont naturellement enclins à commettre des actes impies. Or, l'être suprême ne fait aucune discrimination. Il accepte tous les êtres, quelle que soit leur naissance et les circonstances. Tous peuvent recevoir sa puissante miséricorde personnellement ou à travers ses dévots.
Om Agyanati Nirandasya Gyanam Janam Sharavakaya Chakshur Militam Yena Tasme Sigurave Namah Sri Chaitanya Mano Vistam Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swakadam Tikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gurajishe Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Vanchakar patarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah mukam karoti vasaram pangum angeti yat kripam tamaham bandhi shri guru dina dharmai. Donc de quelle tribu est-ce que nous faisons partie par rapport au verset? Kirata, ils sont aborigènes du sud de l'Inde, ça ne va pas être nous. Huna, ce sont les Huns, les Huns. Vous avez déjà entendu parler des Huns? Attila, c'était Attila. Ils ont un pays qui s'appelle la Hongrie. Ça vient du mot Hun, les descendants de Attila. Quand j'étais en Hongrie au mois de juin, j'ai rencontré Attila Babu. Il s'appelle Attila. Ah, il s'est initié depuis, je ne sais pas son nouveau nom, son nom de naissance c'était Attila. Je me rappelle encore à l'école, j'avais appris ça. Hein? Attila, c'était dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas sous les sabots de ses chevaux. Vous avez entendu ça? On a eu le même programme alors. Ça n'avait pas changé. Donc les Huns, ce sont les Hongrois, entre autres, les Andras, les Pulindas, les Pulkashas. Les Pulindas sont les aborigènes aussi, qui sont autour de la terre de Vrindavan. Hein. C'est expliqué dans le 10e chant, il y avait les Pulindas. Ils observaient les jeunes filles Pulindas, elles observaient les divertissements de Krishna de loin, cachés. Et après, quand elles rencontraient des empreintes de Krishna sur le sol, elles prenaient avec leurs mains comme ça, elles étaient sur leur corps. Le kumkum qu'il y avait dans les empreintes des pieds de Krishna, elles récupéraient ça. C'est un très beau verset de la Venu Gita, Srimad Bhagavatam, elle écrit ça. Et quand elles faisaient ça, elles devenaient complètement en extase. Alors, sur leur corps se manifestait tout. Extase de l'amour pour Krishna, juste en mettant la poussière dans ses pieds comme ça. Parce qu'elle n'avait pas la chance de s'associer directement avec Krishna. Les poules, j'ai un ami en Hongrie aussi qui s'appelle Gadai Prabhu. Et lui, il est né dans le village où plus tard Shivara Maharaj a installé la communauté de New Rajadam. Et quand il est né, c'était pas encore là. Les dévots sont arrivés dans sa ville. Il devait avoir 3 ans ou quelque chose comme ça. Et les dévots ont acheté. C'est un petit village de rien du tout. Genre Saint-Léger, de l'unité, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus grand, mais ils sont plus paysans. C'est vraiment des paysans là-bas. Et lui, il est né dans une famille là, un village perdu au milieu de la Hongrie. Mais Radhesham a été miséricordieux avec lui. Ils ont décidé de venir habiter dans son village aussi. Et il s'est retrouvé avec tous les dévots de Hongrie qui sont arrivés dans son village. Donc il a passé son enfance à aller au temple pour visiter les dévots. Depuis qu'il était tout petit, 4-5 ans, il allait visiter les festivals et voir tout ça. Alors, je lui disais, mais toi, tu es né sur le Dharma finalement.
Il m'a dit, oui, je suis né sur le Dam, mais dans la dynastie des Pulinda. Je ne suis pas né dans les bras de Passy. Je suis né dans les aborigènes qui étaient là avant que les associés du Seigneur apparaissent. C'était joli, non? J'ai trouvé que c'était joli comme méditation. Il dit, je suis né dans la dynastie des Pulinda. Il est très gentil, Gadai Prabhu. Les poules kasha, je ne sais pas ce que c'est les poules kasha, une autre race. Les abira, les sumba, les yavana. On va dire les yavana, ce sont les turcs, je crois. Les turcs. Les kashas et les autres races de basse naissance. Shuna yavana, kashada yav, yenye chapapa. Et ceux qui commettent des actions impies. C'est expliqué dans le Shrimad Bhagavatam que dès que Krishna a quitté la planète, le Kali Yuga a commencé. Parce que selon les constellations, hein, le Kali Yuga c'est quelque chose qui doit commencer par un alignement d'étoiles. Quand telle étoile devient alignée avec telle étoile, devient alignée avec telle étoile, devient alignée avec telle étoile, je n'ai pas appris par cœur, mais il y a le verset dans le Shrimad Bhagavatam, c'est expliqué. À ce moment-là, c'est comme l'horloge de l'univers. Clic. Le Kali Yuga commence. Comme quand la petite aiguille et la grande aiguille deviennent alignées, c'est midi. On s'y dit dans le sens. Et là, c'est pareil. Quand il y a un tel alignement d'étoiles, le Kali Yuga commence. Mais Krishna était encore présent sur la planète. Donc le Kali Yuga ne pouvait pas vraiment commencer. Parce que Krishna est Dharma personnifié. Donc à la présence de Krishna, ce n'était pas possible que le Kali Yuga commence. Donc il y a eu un petit retard dans le Kali Yuga, le début du Kali Yuga. Hein. C'est peut-être pour ça que souvent on est en retard dans le Kali Yuga. Que le Kali Yuga lui-même, il était en retard. Je pourrais trouver ça comme excuse si on me dit je suis en retard, c'est normal, c'est le Kali Yuga. Qui peut être à l'heure dans le Kali Yuga? Le Kali Yuga lui-même est en retard. Donc s'il y a eu un petit retard, Kali Yuga était là, mais il ne pouvait pas vraiment commencer. Mais au moment donné où Krishna a quitté la planète, le jour où il a compris que c'est bon, j'avais fini ma mission, Krishna a disparu comme ça. Antardana, ça veut dire Antardana, ça veut dire qu'il est rentré à l'intérieur. Ou en français, qu'il a disparu. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de sa dimension. Il est entré à l'intérieur de sa propre dimension. Il a disparu de notre dimension. On dirait ça, ce qui est un tal d'âme. Il a disparu aux yeux des êtres communs. Et à ce moment-là, à l'instant même, les êtres vivants qui étaient sur la planète Terre, ils ont commencé à prendre goût à les activités pécheresses. Avant, ça n'avait pas tellement de goût pour eux. Mais là, hein, ils se sont dit, ah. C'est très subtil, hein. C'est rentré dans le cœur des êtres vivants et ils ont commencé à prendre goût pour les activités de la pécheresse. C'est ce qui est expliqué, parce que Kali Yuga a commencé. Et donc c'est ça l'influence du Kali Yuga, c'est que les gens, subtilement, ils ont une appréciation pour des activités basses. Mais si l'influence du Kali Yuga n'est pas là, cette appréciation ne se présentera pas dans le mental et le cœur des gens. Et pour ceux qui sont nés dans le beau milieu du Kali Yuga, comme nous, hein. Encore c'est le début, mais c'est déjà pas mal développé. Alors, on pourrait penser qu'on est condamné. Non, c'est comme une condamnation d'être dans le Kali Yuga. Tel Prabhupada dit, à cause d'activités impies, certains prennent naissance dans des familles qui ont peu de conscience spirituelle. À cause des mauvaises actions de notre vie passée, on prend naissance dans une famille très vaste naissance. Mais Krishna a un plan pour aider tout le monde. Donc il envoie ses dévots sur terre.
Et lorsque les dévots de Krishna viennent, ils peuvent purifier tout l'univers entier. Adama Janara Bandhu. Ils sont les amis de ceux qui sont les plus déchus. Adama, ça veut dire celui qui est déchu. C'est pour ça que dans la Bible, il s'appelait Adama, parce qu'il est tombé. On l'appelle Adama. Comme quoi le sanskrit et l'hébreu sont très proches. Hein. Et Adama Janara Bandhu. Les Vaishnavas, ils sont les amis de tous les êtres. Et même les êtres plus déchus, ils éprouvent de la compassion envers eux. Et ils sont leurs amis. Pourquoi le Vaishnava est l'ami de tous les êtres? Parce qu'il voit la véritable nature des êtres. Il ne voit pas leur conditionnement externe. Il ne voit pas. Ils voient, mais ils savent que c'est superficiel. Ils savent que cette personne est recouverte par cette coquille peu gracieuse, mais à l'intérieur à l'intérieur il y a quelque chose de joli, il y a l'âme spirituelle, et l'âme est très belle, non? Krishna dit dans le Bhagavad Gita, certains voient l'âme et ils sont stupéfaits, d'autres entendent parler de l'âme comme étant quelque chose de merveilleux, et d'autres tu vois, une troisième. N'en entend même pas parler. Je ne sais plus, il fait trois niveaux comme ça. Et à chaque fois, il emploie l'adjectif merveilleux avec le mot âme. L'âme est merveilleuse par nature. Parce qu'elle est Chitchaki, l'énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle est merveilleuse par nature. Donc tous les êtres vivants sont merveilleux par nature. Il n'y a pas d'âme qui est moche. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est moche au monde spirituel. Ça n'existe pas la laideur au monde spirituel. Ou si elle existe, c'est une laideur qui est belle. Juste pour le divertissement. Comme il y a des habitants du monde spirituel, ils ont l'air vieux. Mais c'est une vieillesse éternellement jeune. Ils ne deviennent jamais plus vieux que ça. Et même s'ils ont l'air vieux, en même temps, ils ont aussi l'air jeune. C'est les deux. Mais ils ont toute la beauté quand même de la jeunesse, même s'ils ont des rides ou des cheveux blancs. Comme pour Purnamasi Devi, elle a les cheveux blancs, tout blanc. Mais c'est pas pour ça qu'elle a l'air d'une vieille grand-mère. Elle a aussi la radiance d'une jeune fille, les deux à la fois. Et donc, les Vaishnavas peuvent voir là. La beauté de tous les êtres, mais ils apprécient ça. Ils n'apprécient pas l'enveloppe externe. Ils savent que ça, c'est juste une illusion. Mais ils essayent plutôt de découvrir la véritable nature de chacun. Comme disait Bhakti Tirtha Swami, un jour dans une classe, j'avais entendu dire, c'était très joli, il disait, en fait, vous êtes des milliers de fois plus merveilleux que ce que vous pensez. C'est très inspirant, c'est très encourageant de dire aux gens que vous êtes des milliers de fois plus merveilleux que ce que vous pensez. C'est encourageant, et c'est la vérité en plus. Malheureusement, nous avons développé une très faible estime de nous-mêmes. Très faible estime de nous-mêmes. Et on se satisfait de choses très très médiocres. Et on s'est identifié à quelque chose de très, très déchu aussi. On pense, je suis ce corps. C'est horrible, cet horrible corps. Surtout les corps du Kali Yuga, très très horrible. Mais parce que, malheureusement, notre référence est faussée, nous pensons qu'il y a la beauté aussi dans les corps du Kali Yuga. Mais le Seigneur Brahma, lui, il a une référence un petit peu plus vaste. Et il dit dans le Bhagavatam, en fait, tous les gens qui naissent dans le Kali Yuga, ils ont des corps handicapés. 100%. Seulement, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tous entre handicapés. Donc, ils ne voient que des handicapés autour d'eux. Ou des gens un peu difformes. Et ça devient la norme. On a l'habitude
Donc quand on se voit dans le miroir, toutes les formes, on pense, oh, finalement, je suis pas mal. Parce qu'on n'a jamais vu des corps qui étaient normaux, entre guillemets, pour eux. Mais eux, les demi-dieux, quand ils nous voient, ils se disent, oh là là. Ils voient. Et nous disent, bah quoi, pourquoi ils me regardent comme ça? Je suis normal, moi. Mais eux, ils voient. Par compassion, peut-être ils ne nous disent pas, hein. Mais ils voient. Les gens sont déformés. J'ai plusieurs expériences de ça dans ma vie. Et si vous apprenez à regarder avec une... comment dire, un œil un peu critique, vous verrez que les gens dans ce monde, il n'y en a pas beaucoup qui sont très jolis, en fait. Non? Selon les descriptions qu'on peut avoir de ce qu'est la beauté véritable. Et on s'est identifié avec cette chose qui est le corps matériel, et ça nous paraît complètement normal par l'effet de Mahamaya, l'énergie du lieu. Bien qu'on entende jour après jour, jour après jour, jour après jour, que nous ne sommes pas ce corps, cependant on est encore convaincu à 99,999% qu'on est ce corps. Hein? Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on le vit. C'est rare qu'on réalise qu'on n'est pas ce corps. Je me rappelle une fois, quand j'étais petit, un matin je suis rentré dans la salle de bain, et dans la salle de bain, il y avait un grand, grand miroir comme ça, très grand. Et là, quand je me suis vu dedans, et ça m'a fait une expérience spéciale. Krishna, il m'avait préparé une expérience spéciale ce matin-là. Au lieu de voir mon visage de petit garçon que j'avais l'habitude de voir, j'ai vu un squelette avec de la peau dessus. Et je voyais vraiment que c'était le squelette, parce qu'on voyait la forme du squelette, tu sais, en dessous de la peau tendue, on voyait la forme du squelette. Et là, je me suis regardé comme ça. J'ai eu tellement peur que je suis ressorti de la salle de bain. Je vais te remettre dans mon lit. Et après, je n'osais plus regarder le miroir. Je rentrais, mais je ne regardais plus le miroir. Pourtant, ce moment-là, ce que j'avais vu, c'était la vérité. Hein. C'était plus vrai que ce que je voyais tous les jours. On voit que la surface du monde matériel. Hein. On voit que la surface. En fait, quand on regarde les gens, on voit que leur peau. On voit que la peau des gens. Si on voyait un peu plus que la peau, ça nous ferait peur, les gens, non? Les gens sans peau, quand tu fais quelqu'un sans peau, ça fait un film d'horreur, non? Quand j'étais petit, il y avait un film d'horreur comme ça, c'était quelqu'un, il n'avait plus de peau. Pouf. Ça fait vraiment horrible, sans peau. Mais, comme il y a la peau dessus, on se dit, ah, ça va, c'est pas mal. C'est ça le corps matériel, on est devenu identifié à ça, alors qu'en vérité, on a une nature d'une beauté presque illimitée. Et on est fait pour vivre à ce niveau-là. Donc, Prabhupada explique ici que Krishna ne fait aucune discrimination. Il accepte tous les êtres, quelle que soit leur naissance et leurs circonstances. Tous peuvent recevoir sa puissante miséricorde, personnellement ou à travers ses dévots. Donc les Vaishnavas, comme je disais, eux, ils voient la véritable nature de l'être. Ils savent, ok, il y a ce corps matériel, mais ils regardent le cœur des gens. Ils font attention à l'attitude des gens, à leur qualité. Ce qu'ils savent, ces personnes-là, sont en fait éternellement des serviteurs de Krishna. Tous les êtres vivants sont des serviteurs de Krishna. Ils sont des habitants de Vaikuntha, ou des habitants de Vraj, ou des habitants d'Ayodhya. Il n'y a personne qui n'est pas un serviteur éternel de Krishna. Et donc ils voient les êtres vivants selon cette nature-là. Nous aussi, on devrait apprendre à voir tout être vivant comme un associé, on peut dire, en puissance
de Christ. Il est cette personne que nous voyons, que nous parfois traitons pas si bien que ça, c'est un associé de Christ. Peut-être pas encore pleinement manifesté pour l'instant, mais il l'est, tôt ou tard il le deviendra. Donc on devrait traiter tous les êtres avec cette même considération, comme s'ils étaient des associés éternels de Rabbi Krishna, non? Parce que c'est ce qu'ils sont, finalement. Même si pour l'instant ils sont recouverts, leur véritable identité, c'est ça. Donc on devrait les traiter de cette manière-là. C'est ça qu'on appelle Vaishnava Sadachar, le bon comportement Vaishnava. Vaishnava, il voit les choses selon l'œil de la connaissance, on appelle Shastra Shakshu. Il regarde à travers la connaissance des Écritures révélées tout. Et c'est pour ça qu'on nous dit que lorsque quelqu'un vient dans le temple de Krishna, on doit le recevoir comme le Seigneur suprême. On doit recevoir au niveau, comme si c'était Krishna qui arrivait dans le temple. Même si c'est un gars qui comprend pas du tout ce qu'il vient faire, je me rappelle, un matin, Maharaj était assis là, puis tout d'un coup, au milieu de la classe, la porte s'ouvre là-bas. Pouf. Et là, un gars arrive, complètement bourré, un jeune, il avait du sang sur son pantalon. Il dit, ouais, on peut rentrer là. Maharaj dit, rentrer. Et puis, là, il a vu qu'il était vraiment pas net, le gars. Et tout de suite, il a trouvé comment faire. Il a dit, oh, donnez-leur une chaise. Ils étaient deux. Donnez-leur une chaise. Alors, ils ont mis deux chaises, tu t'en rappelles? On les a assis là, comme ça. Et après, Maharaj, il est venu, il a pris une guirlande de fleurs, il a donné à chacun. Et là, ils ont été cloués sur la chaise et ils sont devenus silencieux. Ils n'avaient jamais été reçus avec une guirlande de fleurs, sans doute, dans toute leur vie. Et ça les a complètement désarmés. Après, ils sont venus comme ça. Puis ils ont écouté toute la classe de Marie. Ils sont devenus complètement inoffensifs quand ils ont reçu cette guirlande de fleurs. À tel point qu'eux-mêmes, à la fin, ils disent « Ah ouais, moi je suis bien d'accord avec toi, d'accord, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. » Il a réussi à gagner leur cœur en leur offrant le respect qu'ils méritaient, parce que finalement, c'est ce qu'ils sont. Il les a accueillis comme si, pour ce qu'ils étaient véritablement. Et moi, j'étais là, je me suis dit « Ah, là, il a bien joué quand même. » Parce que moi, quand je les ai vus arriver, j'étais là et je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que Krishna nous aura ? Qu'est-ce que ça va devenir la classe ce matin ?» Quel genre de... C'est le gars du bar là-bas, à côté. C'est le bar là-bas? C'est le patron du gars. Le horse. C'est le patron du horse là-bas. C'est pas un vieux, hein, il est assez jeune. Hein. Mais il est coriace. Et voilà, ils ont bien aimé finalement le temple. Ils ont dit, ah ouais, moi je reviendrai, c'est sympa. On repassera le matin comme ça de temps en temps. Mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi à revenir. C'est peut-être la route est peut-être compliquée pour eux. Même s'ils sont juste à un bloc d'ici, la route est un peu compliquée. Ah ouais? Il a été? Voilà. Et le patron du horse. Comment elle dit... comment elle s'appelle? Danisha. Le horse. Le horse. Le rose, ça veut dire le cheval. Parce que la petite Danishtha, qui est la fille de Vishesha, elle parle deux langues à la fois, de Vishaka. Elle parle deux langues à la fois, anglais et français. Parce qu'elle est née au Québec, donc elle commence sa phrase en anglais, elle finit en français, elle veut tout mélanger. Il faut connaître anglais et français pour suivre ce qu'elle dit. Elle dit le rose. Le rose, ça veut dire le cheval. Parce qu'elle... Elle ne prononce pas encore bien. Alors c'est rigolo, on rigole bien quand elle parle. Et donc, les associés du Seigneur, eux, ils viennent dans ce monde, Adama Janara Bandhu, ils voient la beauté des êtres vivants, et ils les accueillent comme ça. C'est ça la puissance des Vaishnavas. C'est ça qui fait que tous les êtres qui ont rencontré Prabhupada,
ils ont été frappés de la manière dont Prabhupada les accueillait. Parce que Prabhupada voyait leur vraie nature. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui voit votre vraie nature, vous commencez à percevoir vous aussi votre vraie nature. Vous comprenez? C'est comme un miroir. Parce que lui, il voit votre vraie nature, donc il relationne avec vous, pas par rapport à votre conditionnement, mais par rapport à ce que vous êtes vraiment. Et donc, c'est déroutant, quelque part. Parce qu'on voit que cette personne, il me regarde comme si j'étais autre chose. Et ils ressentaient tous cet effet-là. À ce moment-là, on sent notre véritable nature. On dit, on réalise qu'on est autre chose aussi. Et Prabhupada avait cette qualité-là, incroyable, de voir les merveilleuses qualités chez tout le monde. Et c'est comme ça que les gens deviennent captivés aussi. Parce que c'est ce qu'ils sont, véritablement. Lorsqu'on regarde quelqu'un pour ce qu'il est, véritablement, alors c'est touchant. La personne se sent touchée, elle sent que cette personne, finalement, elle a l'air de mieux me connaître ce que moi, que ce que... Voilà, ce que je connais de moi-même. C'est... Donc ils ressentaient ça. Et après, ils avaient envie de rester avec Prabhupada. Parce qu'ils sentaient, quand ils étaient avec Prabhupada, ils sentaient qu'ils étaient quelqu'un d'autre. Ça éveillait leur véritable. Donc ils restaient avec Prabhupada. Et même Jadurani, elle habitait loin. À l'époque, elle avait juste 19 ans. Elle habitait loin, pour venir au 26 secondes avenue. Il fallait qu'elle fasse, je ne sais pas, une heure ou deux heures de transport, aller et plus retour aussi. Et elle a demandé à Prabhupada est-ce qu'elle pouvait rester elle aussi, venir habiter avec. Ils étaient juste quelques-uns qui habitaient là. Prabhupada dit non, c'est pas possible. Toi, tu es une jeune fille. Alors, on ne peut pas accepter les jeunes filles. Donc, elle s'est mise à pleurer. Elle dit non, moi je veux rester avec vous. Quand je vais chez mes parents, c'est horrible, je ne peux plus vivre comme ça, s'il vous plaît, acceptez-moi. Et Prabhupada, quand il a vu, et son cœur a été touché, il a dit, bon, ok, tu peux rester. Grâce à elle, maintenant, les dévotes peuvent vivre dans les temples, hein. On a une certaine redevance envers Jadurani, elle a pleuré pour vous toutes. C'est vrai, non? Ça a touché le cœur de Prabhupada, ça serait arrivé, sans doute, mais... C'est quand même elle qui a été là, la première, pour pleurer, demander à Prabhupada, s'il vous plaît, acceptez-moi. Prabhupada a accepté. Et les Vaishnavas étaient tellement contents. Elle a écrit un livre, Jadurani, sur toutes ces années avec Prabhupada. Il s'appelle The Art of Spiritual Life. L'art de la vie spirituelle. Puisque elle, depuis qu'elle était toute jeune, Prabhupada lui a donné ce service de peindre et de dessiner, puisqu'elle avait fait des études aux Beaux-Arts. Elle était aux Beaux-Arts à l'époque. Elle n'était pas spécialement douée, je dirais, dans ses premières peintures. Ils sont là à New York, sur le mur, au 26 secondes avenue, les premières peintures de Jadurani. Ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, c'est des premières peintures. C'est pas nul, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Mais elle a pris cette instruction à cœur. Elle a continué de peindre comme ça, tout le temps. Prabhupada lui a dit, si tu continues ce service de peindre partout où tu seras, ça sera Vrindavan. C'est une sacrée bénédiction. Parce que quand Prabhupada lui dit ça, c'est pas juste des paroles. Ça veut dire que par le fait de faire ce service pour moi, en fait, toute la réalité spirituelle va devenir révélée dans ton cœur. Et donc... Ils sont devenus tous très très attachés à Prabhupada. Ils étaient des jeunes qui n'avaient pas grand chose, assez instables mentalement. Hein. Et Prabhupada était là, et il les voyait d'une autre manière. Donc ils sont devenus captivés par cette personne qui leur permettait de réaliser qui ils étaient eux-mêmes aussi, véritablement. Donc c'est très important d'avoir ce regard sur les êtres.
Parce que quand ils vont venir, ils vont sentir aussi ça. Et si on les regarde de la même manière que tout le monde les regarde, ils vont se dire, bon, c'est juste une religion, comment dire, bogus, comme les autres. Ils se déguisent en religieux, ils font leur petite prière, mais en fait c'est la même chose que les autres. Mais les dévots, eux, il a la capacité de parler aux gens différemment, d'une autre manière. Pour ça, il faut voir la véritable nature des gens, comprendre. Cette personne-là n'est pas le corps que je vois en face de moi. C'est quelqu'un de très merveilleux, c'est un associé de Krishna. Et je dois le traiter de cette manière-là. C'est comme ça que Krishna voit tous les êtres. Parce que Krishna, lui, de tous les êtres, il sait en puissance qui cet être est au monde spirituel. Donc Krishna, il relationne déjà avec tous les êtres à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il a beaucoup d'estime pour tout le monde, Krishna. Et par le contact, en fait, avec les Vaishnavas, c'est intéressant, il dit, ici, en prenant refuge dans les dévots qui ont pris refuge dans les seigneurs tout puissants. C'était le mot difficile à prononcer. Yad apa ashraya ashraya. Apa ashraya ashraya. Il prend refuge dans celui qui a pris refuge. Si quelqu'un s'accroche à une corde et que vous vous accrochez au pied de cette personne, vous êtes aussi accroché à la corde. Non, c'est ça la logique. Prendre refuge de celui qui a pris refuge. Il suffit que celui du haut, il tienne la corde ou il tienne le crochet. Après, tous les autres peuvent s'attacher au pied de l'autre en dessous, comme ça. Et tout le monde tient au crochet. Tout le monde reçoit le support du crochet, l'ashraya. Donc si quelqu'un prend pleinement refuge en Krishna, c'est ça qu'on dit dans les pranams, non? Vishnu Padaya. Namam Vishnu Padaya. Celui qui a pris refuge pleinement au pied par le lotus de Vishnu. Krishna Pristaya Bhuta. C'est à lui qu'on doit prendre refuge. Srinivasa Acharya explique dans son chant. Nana Shastra Vicharanai Kanipunu Saddharma Samstapako. On s'en fait avec. Nana Shastra Vicharanai Kanipunu Saddharma Samstapako. Lokanamita Karino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Manyo Sharanyakaro. Les Goswami de Vrindavan, ils sont des refuges appropriés pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants peuvent prendre refuge. Radha Krishna Padarabinda Bhajana, parce qu'ils sont absorbés dans l'adoration de Radha Krishna. Anandena Mataliko. Ils ressentent une immense félicité sans borne le fait d'adorer Radha Krishna, donc tout le monde peut prendre refuge en eux. Ils sont accroché au pied par le lotus de Radha Krishna. Donc, en prenant refuge en eux, on devient aussi connecté. Hein? C'est un principe de contact. Si vous touchez quelqu'un qui a les doigts dans la prise, vous devenez aussi électrocuté. Et ça appelle une chaîne comme ça. On appelle Guru Parampara. Il suffit que le maître spirituel a mis les doigts dans la prise, après il peut électrifier qui veut, non? C'est comme ça le principe, Guru Parampara. Anandena Mataliko, c'est ça, il ressent cette félicité. Lorsqu'il chante le nom de Krishna, il baigne dans la félicité du Saint-Nom de Krishna, parce que Radha et Krishna sont manifestes dans leur cœur. Ils ont atteint le refuge de Vatmanastumam Paradevi Prakritim Ashvita. Le mot Ashvita, ultimement, veut dire Devi Prakritim Ashvita, qui a pris refuge dans la nature divine, c'est-à-dire Radha. Puisqu'ils ont reçu le refuge de Radhani, ils sont protégés par Radhani. Quiconque prend refuge en dessous d'eux et devient aussi protégé. C'est comme si vous venez en dessous de la colline Govardhan, vous devenez protégé.
Et donc ils peuvent être le refuge pour tous les êtres vivants. Nous pouvons donc devenir purifiés par le contact des Vaishnavas, en prenant refuge dans des dévots qui ont pris refuge dans le Seigneur Tout-Puissant. Ils deviennent purifiés de tous leurs actes passés. Nous avons dans notre cœur beaucoup de choses indésirables. Et le processus, s'il explique, hein, la dévotion réglée, ça veut dire Vaidhi Bhakti, consiste à nettoyer toutes les impuretés qui sont dans notre cœur. On appelle en sanskrit anartha nivriti. Anartha, ça veut dire ce qui n'a pas de valeur. Plein de choses sans valeur qui sont accumulées dans notre cœur. C'est comme des fois, vous regardez les gens dans leur cave ou dans leur grenier, tout ce qu'ils ont accumulé. Non? Plein de choses sans valeur. Non? Et là, quand vous rentrez, vous voyez tout ça. Mais c'est à peu près la même chose dans notre cœur. On a accumulé plein de trucs sans valeur. Un objet, un truc là, on a tout mis, tu vois. Et on a bien fermé la clé de la cave. Et on garde ça en se disant, oh, peut-être, ça me servira un jour. Mais en fait, ça n'a aucune valeur. Même si on allait faire une braderie, là, et étaler tout, nos anarthas, c'est-à-dire nos... Vous avez déjà vu les braderies dans les rues? Tu vois ce que les gens, ils sortent sur leur table. Tu dis, qui va acheter ça? C'est le truc le plus nul que tu peux imaginer, non? Vieux, abîmé, le truc sans valeur. Tu donnerais même pas un euro pour ça, non? Personne. Tu te dis, pourquoi elle a pas mis direct à la poubelle? Il a gardé ça et il essaye de le vendre. Mais ça n'a aucune valeur, non? On dit anartha. Au Québec, c'est leur truc, ils appellent ça les braderies de rue. Et là, quand ça arrive l'automne, hein, ils font les grandes braderies de rue. Tout le monde sort de chez lui, il met une table devant sa maison, et il met tout son grenier là. Et si tu veux venir acheter quelque chose, tu peux acheter quelque chose. C'est les braderies de rue. Il faut un peu aussi, comme ici, non? Comment ils appellent ça ici? Brocante. Farcou. Mais là-bas, c'est donc une rue. Ils disent aujourd'hui, c'est la rue, par exemple, la rue Ontario. Pendant toute la semaine, c'est braderie de rue. Tout le monde a le droit de venir et mettre tout ce qu'il veut devant sa maison pour voir. Et là, vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. Qu'est-ce qu'ils ont gardé. Et ils essayent de vendre. Ça marche. J'ai jamais vu que ça marchait très très bien. Mais bon, c'est une fête populaire. Donc ça, c'est anartha. Toutes ces choses sans valeur qu'on a gardées dans notre cœur. On ne doit pas essayer de les vendre, on doit les jeter directement. Nivriti, ça veut dire le nettoyage. Par le fait de s'engager dans le service de Krishna, petit à petit, ces choses deviennent purifiées. Elles sont retirées et on réalise, bon, ça n'a pas de valeur. Et on jette tous ces attachements, toutes ces illusions, toutes ces fausses croyances, toutes ces peurs, toutes ces mauvaises qualités, tous ces ennemis, toutes ces choses-là. Si on faisait toute la liste, c'était une longue liste, très très longue liste, on jette tout. Parce que finalement, on comprend qu'est-ce qui a de la valeur. Et plus on comprend ce qui a de la valeur, naturellement, on devient détaché de ce qui n'a pas de valeur. C'est impossible de se détacher de ce qui n'a pas de valeur sans comprendre ce qu'il y a véritablement de la valeur. Plus on va comprendre quel est le trésor suprême, plus on va devenir détaché de tout le reste qui n'a pas de valeur. C'est comme un jour quelqu'un a demandé à Jésus-Christ, à quoi ressemble le royaume de Dieu? Vous la connaissez cette parabole? Et Jésus a dit, le royaume de Dieu ressemble à un champ. C'est H-A-M-P-S. Le royaume de Dieu ressemble à un champ. C'est comme un champ pour cultiver. Un homme trouve un trésor dans ce champ. Donc il retourne chez lui, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Parce qu'il a compris, il y a un trésor dans ce champ. À côté de ça, ma maison et toutes mes possessions ne valent rien.
Donc il vend tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ. Parce qu'il sait qu'il y a un trésor dans ce champ. Il a compris, il a trouvé quelque chose qui avait une plus grande valeur. Donc pour acquérir cette chose, il est prêt à tout abandonner. Très intéressant comme parabole, Jésus expliquait. Si tu veux entrer au royaume de Dieu, tu dois comprendre où tu dois être prêt à vendre tout ce que tu as pour acheter là où le trésor se trouve. Très intéressant, les paraboles de Jésus. C'est aussi, c'est ça qu'on appelle Anartha Nivritti, ou Sharanagati, petit à petit apprendre à prendre refuge en Krishna, s'abandonner à Krishna. C'est là que le trésor repose. Et Raghunath Das Goswami, il a fait une description du trésor de Krishna. Vous connaissez? Dans le Mana Shiksha, verset numéro 1, il décrit où est notre trésor. Vous avez ici Mana Shiksha? Je ne l'ai pas complètement dans ma tête. Quelqu'un a un téléphone? Il peut trouver le verset numéro 1 du Mana Shiksha? Vous n'avez pas sur vous, moi non plus. Ouais. Vous l'avez? Pas loin d'ici? Ok, comme ça je vais pouvoir vous dire, vraiment, on va finir là-dessus, comme ça je vais pouvoir vous dire le verset. Je peux vous le dire de mémoire, mais je vais oublier certaines choses. Ça sera plus joli si je vous le dis tel quel. Manashik, sa première instruction mentale. Raghunath Das Goswami nous dit en quoi tu dois placer ton amour. À quoi tu dois t'attacher dans ce monde. Qu'est-ce qui est ton véritable trésor et que tu dois placer dans ton cœur. Si tu places ces choses-là dans ton cœur, tous les anarthas vont devenir enlevés. Très intéressant. Hein? Après, il décrit davantage, mais ce verset-là est très très intéressant. Et normalement j'aurais dû connaître ce verset par cœur, mais je n'ai pas appris le verset par cœur de Mana Shiksha numéro 1. Normalement beaucoup de Vaishnavas connaissent ce verset là parce que c'est une méditation qui est bonne à faire tous les jours, de se rappeler des choses qui sont notre trésor. Il dit: oh mon cher mental, aime de tout ton cœur le saint nom de Krishna, le merveilleux Gayatri Mantra, qu'est-ce qu'il dit, la terre de Vraj, qu'est-ce qu'il dit d'autre, ah voilà, Jai, merci beaucoup. Apurva Rati, ça veut dire avec un attachement sans précédent. Apurva Rati, avec un amour comme tu n'as jamais eu, tu dois aimer de tout ton cœur les choses suivantes. Guru Goshte Goshta La Yishu Sujani Busura Gani Samantra Shinami Vrajanava Yuva Dvanta Sharani Sada dambam idva kuru ratim apurva atidhara maye svantar ratas chatubi abhiyache dritapada. Oh mon mental, mon cher frère. Le mental c'est comme un frère jumeau hein, qui est là avec nous tout le temps. Encore plus jumeau que le frère jumeau, non? Exactement, il est là tout le temps. Insensé que tu es, il dit, tu es juste un insensé. Avec de douces paroles et prenant tes pieds dans mes mains, je te prie humblement et te conjure de renoncer à tout orgueil. Il demande à son mental. Il prend les pieds de son mental dans ses mains et il dit, s'il te plaît, je te supplie de tout mon cœur, abandonne tout orgueil et développe sans plus tarder un
attachement profond et sans pareil pour Shri Gurudev, Guru, Gosté, Shri Vrajadam, les habitants de Vraj, les Vaishnavas, les Brahmanas, les Diksha Mantra que tu as reçus, les Gayatri Mantra, les saints du Seigneur Suprême et le refuge que représente le couple de Vraj à la jeunesse éternelle, Kishore Kishori, Shishirada Krishna. Vous avez compris? Je vous le redis encore une fois. Ça, ce sont les versets que les Vaishnavas peuvent réciter encore et encore et encore. Il y a une nouvelle félicité à entendre ça. Ce sont les versets qui nous donnent le cap pour passer à travers cette anartha nivritti, non? Parce qu'ils nous font comprendre qu'est-ce qui doit être notre trésor dans notre vie. Il dit, s'il te plaît, place ça dans ton cœur, et comme ça, tu pourras devenir libéré. Ô mental, mon cher frère, insensé que tu es, avec de douces paroles et prenant tes pieds dans mes mains, je te prie humblement et te conjure de renoncer à tout orgueil. C'est merveilleux, hein? Développe sans plus tarder un attachement profond et sans pareil pour Shri Gurudev, Shri Vrajadam, la demeure transcendante de Vraj, les habitants de Vraj, les Vaishnavas, les Brahmanas, les Diksha Mantra merveilleux que tu as reçus, les saints noms du Seigneur Suprême et le refuge que représente le couple de Vraj à la jeunesse éternelle, Kishore Kishori, Shishi Lala Krishna. Jai. C'était juste pour vous donner envie de lire le Manashiksha. C'est un livre qu'on peut lire depuis n'importe quel niveau, le Manashiksha. Très inspirant.